Bonsoir. Bonsoir. Non, moi, c'est Ronald Staffel et moi, dis-vous bienvenue sous Sagesse Samedi. Et à souhait encore, nous gagnons continuation de ça nous avons commencé à faire, qui est l'histoire d'Haïti. Mais histoire, ça, c'est une histoire qui est un peu différente dans Jean Nouali. C'est l'histoire divine d'Haïti. Et sous besoin qu'on ça veut dire, allez regarder l'ancienne vidéo que nous gagnons et puis vous êtes capable de voir ça. L'histoire divine d'Haïti. Et pour plus de précision, pour capable vraiment sous même page avec nous, pour comprendre qui côté nous est, l'histoire divine ça, c'est que nous dit que il y a deux histoires pour chaque nation. C'est l'histoire que historiens ont raconté. En fait, l'histoire d'Haïti, il y a un paquet de livres sous lit. Il y a plusieurs livres d'histoire d'Haïti, et pour moi, ça me fait là. Moi, rechercher plusieurs livres d'histoire pour me chercher ça qui est plus important pour nous garder. Mais, le n'a pas gardé, nous pouvons regarder non seulement l'histoire vraie d'Haïti, ok? Autrement dit, mettons une tournure là-dedans pour nous, on prend ça en anglais, on spin, on va faire virer sous tête des temps qu'on toupie pour nous banner, parce que en pile fois, c'est ça, historien, nous a fait, nous banner de un point de vue. Juste bah où les faits, et puis au même moment, fait sauver avec faits. Mais il y a une bagaille que n'a pas analysé qui Jean Bon Dieu a pas agi dans Décadie et l'en background, c'est-à-dire derrière les scènes. Okay? Parce que nous connaissons que c'est bon Dieu qui a dirigé toute nation, que c'est bon Dieu qui te permet que chaque nation qui existait, existait, que c'est bon Dieu qui bat chaque nation en. On libère chaque territoire que les nations. C'est lui-même qui relève aux nations. C'est lui-même qui dit que pour les hommes, t'es multiplié et puis rassemblé en nation. C'est lui-même qui bat aux frontières priorité. C'est lui-même qui mettait en temps qui le peut commencer, qui le peut finir. Haïti commencé, le peut finir. Ok. C'est lui-même qui mettait qui sorte de peuple qui est en de nation, ou bien qui peut peupler nation. Et puis, c'est les mêmes tout qui baille gouvernement à chaque nation. Même le, par exemple, on dit qu'il y a démocratie, on bon, gain socialisme, on bon, communisme, on l'autre bon, et royaume ou bien empire. Quel que soit ça, nation, ça aurait les formes de gouvernement que vous gagnez. Bon Dieu, toujours là, et les mêmes captifs ficelles, il est toujours là parce qu'il dit toute autorité vient de Dieu là. Romains chapitre 13, verset 1er. Ok. Et tout bagage ça, sous besoin voyons, nous faisons étude sur nation, ou mais Gadel, nous faisons étude sur gouvernement, à la Chanel là, Al Gadel, et nous faisons plusieurs études sur la race, et toute étude ça, nous regardons qui gens, bon Dieu, a travaillé à travers et tout bagage ça. Ok. Et raison qui fait que nous allons continuer avec l'histoire d'Haïti, l'histoire divine d'Haïti. C'est parce que nous disons que non seulement une histoire naturelle que les historiens racontaient, okay, qu'il en chiffre peut-être, mais une histoire supernaturelle parce que bon Dieu toujours derrière lui-même la petite ficelle, c'est lui-même nouvelle histoire divine. Eh bien, à soi, nous allons continuer, c'est nous l'en partie, huitième partie, hein, c'est lui-même nous allons attaquer. Et je dis à nous gagnons des. Nous avons dit des faits spécifiques côté nous pour aborder avec vous. Par exemple, il y en a d'ailleurs que peut-être vous êtes intéressé là-dedans ou qui n'a pas intéressé tout. Mais nous pourrons parler de la fondation de Port-au-Prince, qui côté le commencer. Nous pourrons parler tout de la production de café, qui, genre, par exemple, café vient rentrer en Haïti. Et en troisième bagage que je serai pour vous, c'est que nous pourrons parler tout. De et en insurrection qui pourrait passer la période que nous pourrions couvrir, qui pourrait la période de 1700 jusqu'à 1750. Autrement dit, du début du 18e siècle jusqu'au milieu du 18e siècle, nous pourrions le relire. Et puis, c'est la première partie, la première moitié du 18e siècle. Et puis, l'autre moitié du 18e siècle, là, nous pourrions semaine qui va venir, parce que c'est la moitié du, c'est la seconde moitié du 18e siècle que
que majorité ça pral passer Haïti a pral passer c'est là établissement de royaume de nation haïtienne non pral venir et puis c'est la donne nous pral vraiment ouais tout ça qui pour fait eh bien sans plus tarder nous t'a dit en aller mais avant tout nous pral commencer par la prière comme nous toujours faire eh bien Seigneur nous venons devant nous remercier tout d'abord pour opportunité que nous bannons pour nous rassembler ensemble pour nous faire ça. Nous vous remercions pour préparation que vous avez bannons pour nous faire. Jean Saint-Esprit aider nous préparer et qu'on y a demandé au Seigneur, voyez Saint-Esprit non seulement pour aider nous délivrer et faire livraison de ça nous et mettre ensemble non, ça le Saint-Esprit aider nous mettre ensemble non. Et n'a demandé au ouvert esprit monde qui pour recevoir le tout. Non seulement pour une compréhension qui j'ai même au travail derrière, mais tout Seigneur pour capable bon gloire pour ça au même moi fait parce que tout ça on fait pour gloire mais c'est pour bénéfice Seigneur petit tout. Et nous vous remercions, nous prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, sans plus tarder, en aller en entrée et la dernière, j'aime te dire, à soir, nous prenons ouais, trois gros parties. Création de Port-au-Prince et Jean Cafété entre en Haïti. Et puis, m'te dit, on héros de, yon la héros de résistance que nous gagnons, qui était là. Et à la fin, on connaît qui est lié. Bon, tout d'abord, tu me fais une petite rectification sur un bagage que moi t'ai dit avant ça. Et là, m'te dit, la leçon précédente que nous t'ai gagné, leçon de gagné avant. Nous avons parlé de Louis XIV. Louis XIV, c'est lui-même qui était roi de France pendant que Haïti venait les Saint-Domingue. Et Louis XIV était roi pour un bon temps, pour 72 ans. So, presque trois quarts de siècle, 72 ans et 110 jours. Okay? Par conséquent, presque 73 ans, presque 73 ans, qui veut dire 73 ans, veut dire trois quarts de siècle. Eh bien, et pendant tout le temps ça que l'été roi, eh bien, la France vient gagner en prééminence. La France vient tourner en première puissance du monde. À un point tel que l'Espagne qui te gagne, Mdekadi, en grand territoire, c'est l'Espagne qui te gagne, Mdekadi, en royaume qui t'est établi sur un plus grand territoire. L'Espagne était grand. On va parler On va parler en termes de dimension de la nation espagnole en Europe. On va parler en termes de colonies que l'on a gagnées partout ailleurs. C'est l'Espagne qui était plus grand à l'époque là comme royaume. Et époque ça, nous avons parlé que l'époque nous est gounia là. On a parlé de début de 1700. C'est Charles le Second qui est roi d'Espagne. Et Charles le Second, en situation, j'en ai dit une dernière fois, qui est vraiment critique. Parce que Charles le Second, pral mourir, il connaît le pral mourir, parce qu'il était un pile problème déjà maladie. Mais Charles le Second, pas gagné petit garçon pour le passer royaume en bail. Et semble-t-il qu'il te font loi que c'est garçon pour gagner royaume non, quand même. Par conséquent, il n'y a pas madame pour le passer le bail, mais il y a deux sœurs, et une sœur est mariée avec Louis XIV, qui est déjà roi de France. Imaginez-vous, un roi qui est roi d'Espagne, et puis France qui est déjà ennemie, mais son seul qui est marié avec Louis XIV, qui est roi de France. L'autre sœur est mariée avec un roi qui est Léopold Ier. Léopold Ier, c'était roi de la. Roi de la Hongrie, ok? Et de M. Sayo, Léopold Ier ou bien Louis XIV, il y a tant qui est cap héritier, mais puisque Louis XIV connaît que c'est ennemi, il était déjà, comme roi de France, l'ennemi de l'Espagne, il est déjà suspect, et nous t'ai parlé de ça, que Léopold Ier a gagné le royaume, non? Et puis il a fait préparation pour ça, mais Charles le Second fait tout le monde saisir, et puis qui est-ce le royaume, non? Le li mouri, li quitte en héritage au petit-fils de roi
Louis XIV. Et c'est là que nous avons fait une erreur côté Montezuma, il quittait à son petit-fils, mais c'était au petit-fils de roi Louis XIV et qui vient tourner et son grand-petit-fils. OK? C'est Louis XIV, c'était grand-père de Philippe. Philippe, c'est lui-même qui était venu héritier parce que Philippe, qui petit Louis XIV, par l'intermédiaire de Louis, qui était le grand dauphin. Okay? Lui, le grand dauphin, c'était le fils aîné de Louis XIV. Et c'est lui-même seulement qui survivre l'assistant de Louis XIV qui a gagné. Et puis, puisque il est déjà héritier, il est déjà sous ligne pour l'héritier là. La France, okay, le royaume français, et puis Charles, t'es ouais que c'est pas un bon bagage pour le t'es fait, pour le t'es bail Monsieur Lee, et puis il choisit bail petite Monsieur Lee, et petite ça c'était deuxième petite, lui, le grand dauphin, qui c'est petite Louis XIV, ok, il était lui le grand dauphin, ok, et puis Kounia là où vin gagnant Philippe, que vous venez les Philippe V, mais il était les Philippe V, duc d'Anjou. Et duc d'Anjou, en son sorte de titre que vous avez bâillé, majorité de Simone qui pas de premier petit, vous avez mis en côté l'Anjou, côté vous avez bâillé en titre de duc. Eh bien, le duc d'Anjou, c'est lui-même qui peut venir le roi d'Espagne pour remplacer Charles le Second. Et désolé pour la confusion. Confusion, c'est que je me suis dit c'est petit Louis XIV qui prend l'héritier, mais c'est pas petit Louis XIV, c'est petit Louis XIV. Bon, de toute façon, qui dit petit petit, les plus bons que nous gagnons précision. Mais cela veut dire que c'est même famille Louis XIV là qui prend l'héritier du royaume d'Espagne. Et on peut voir que ça prend l'important. Parce que Kounia là, ou bien la France qui, à travers le traité de Ryswick en 1697, c'est la fin du 17e siècle. À la fin du 17e siècle, en 1697, le traité de Ryswick cédait à la France la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, la partie occidentale là que Louis XIV était déjà relé ses domaines. C'est les vins cédés à Louis XIV net. OK? Et puis, partie orientale là, était pour l'Espagne. Mais imaginez, 4 ans plus tard, 4 ans plus tard, en 1701, lorsque Charles le Second mourit, et puis le allant testament marqué que c'est à et Philippe. OK? Philippe V, duc d'Anjou, qui c'est petite Louis XIV, c'est à lui-même li bay le royaume d'Espagne. Et bien entendu, malgré que Philippe était parti de la maison Bourbon, autrement dit, il est sorti en Versailles, qui était le palais du roi Louis XIV, il est allé en Espagne, qu'il y a même monsieur qui t'a parlé français seulement, encore lui, j'ai appris l'espagnol. OK? Mais, c'est-à-dire, oui, malgré que le roi a sorti en France, vin roi d'Espagne, après l'obligé d'apprendre l'espagnol, mais ça va veut dire que peuple espagnol là vraiment zami peuple français. Faut comprendre bagayo. C'est-à-dire au niveau du royaume, au niveau du gouvernement, lorsque le royaume a changé, le royaume était tellement entre eux, ils pensaient que c'est Dieu qui mettait eux-mêmes. Par conséquent, ils étaient ouais que c'est eux pour diriger et ils ont essayé de diriger dans tous les pays de l'Europe. OK, ça veut dire que roi français a un lien avec roi d'Espagne, tu as un lien de familier, un lien de famille avec roi d'Angleterre là, etc. Et c'est comme ça bagaille, tant qu'on paquet de poisson crasé dans bouillon. Mais au vin avec l'ascension au trône de Charles, mais c'est de Philippe V. Qui viendrait les Felipe el Cinco d'Espagne. Il est obligé de changer le nom en espagnol. Le Felipe el Cinco, qui Philippe le 5, ok,
vin rentrer koun ya la. Ou vin gen yon periode ki komanse chanje a se domen. Ok? Ou vin gen yon koun ya la, le fèt ke ou lye gen batay toutan, ou vin gen koun ya la de tan zan tan Fransè yo kontinuye a fè ekskursyon koun ya dan la pati Espanyol, paske ou konen yo te bezon ti bout de te an plus, epi koun ya lui 14 diyo, non, monsieur, pa fè sa ankon, paske koun ya petit mwen ki wwa, koun ya sa nou pral fè, nou pral rete kon nou a patir de la rivye Massac. Pa depase rivye Massac la, nou pral mette la kom fontyer, e se a patir de la, ou komanse vin wè, ke fontyer yo komanse bien trase, paske avan sa, menm pa le trite de Ryswick, pa de gen yon fontyer ki te vreman bien trase, men pwiske koun ya a de monsye yo zanmi, se petit petit, avek granpapa, ki posede li la ansam, lè yo separe li, yo deside, granpapa a deside, gade pal deranje teritwa petit petit mwen, par konsekan, an nou rete a la rivye Massac. An parlant de sa, gen pil moun ki pense ke rivye Massac la, et sa vin fèt lontan apre, par ayeur, ok? Et sa vin fèt dan les anè 1700, a la fin, preske 1730. Et gen pil moun ki toujou ap mette lan tèt yo, rivye Massac, oh, te gen rivye Massac deja? Oui, te gen rivye la tè toujou la. Mais est-ce que le terre le nom Massac? Oui, le terre le nom Massac par 1728. Et pour qui ça? C'est parce que tu as gagné quelques flibustiers qui t'ont essayé de faire une incursion dans la partie espagnole là. Et puis, espagnol, tu as écrasé monsieur. Yo, et en pile là-dedans, tu es mort dans la rivière Massac. En fait, c'est de là rivière Massac là. Non, il y a pile monde, par exemple, qui ont confusion dans ça, côté vous pensez que c'est événement de 1937 là, avec Trujillo, qui était président dominicain, qui était fait massacrer un paquet haïtien, vous pensez que c'est de là, rivière massacre là, Vingénol. Non. Ouais. Et ça fait nous besoin qu'on histoire, parce que faut à dire que c'est même esprit qui était fait espagnol, crasé français dans la rivière Massac, c'est flibustier, ou t'as tué le ça. Ok, des pirates. Mais fois ça, et compatriotes haïtiens, ils ont été massacrés en 1937. Cela fait à peu près 200 ans. Ok? Bagay tout, ils ont arrivé 200 ans après que non-rivière Massac était déjà là. Ok? Bon, mais nous pouvons arriver dans la période ça, nous toujours la période de début du 18e siècle, qui est dans les années 1700 et combien yo. Eh bien, la même 1701 ça, avec la paix qui vient gagner entre deux côtés ça, yo, et on connaît, tout le monde connaît, dans le but pour un bagage prospérer ou supposer gagner la paix. Parce que sans la paix, pas gain prospérité. Parce que sans la paix, ou pas gain temps pour vraiment faire commerce, ou pas gain temps pour planter, faire cultivation, ou pas gain temps pour planifier qui j'en futur ou allier. Parce que si c'est la guerre où il y a tout le temps, ou pas qu'à la guerre, et puis pour toute bagarre, ça va fonctionner à la fois. Et ça fait une fois qu'il y a la paix entre les Espagnols et les Français, à cause que le roi sont liés par des liens de famille. OK? Louis XIV avec Philippe V, qui est grand-papa avec petite-petite. Par conséquent, on vient voir qu'on y a là, ce domaine commence à s'épanouir. Mais ce domaine commence à s'épanouir, hein, ce n'est pas vraiment un gros épanouissement. Il est juste commencé qu'on y a des moyens pour commencer à faire une série de bagailles à marcher. Mais pendant toute bagaille à marcher, il y a une bagaille qui plus bat tête fait mal, c'est que la traite des Noirs, la traite des esclaves et des Africains, il y a plus la traite des Africains. Parce que même dans la période de 1700, pour qu'on vraiment gain distinction entre couleur de peau. Et il était juste le monde qui noir africain. Et puis ça était blanc, il était européen. OK? Il n'y a pas de corrélation vraiment monde ça au blanc, noir. Terme ça vient après. OK? Il vient après. Et songez bien, le premier monde qui utilisait mot race là. OK? Pas premier monde qui utilisait mot race là. Premier monde qui n'était qu'à dire qui vient faire mot race la vie célèbre, c'était un philosophe allemand qui était Immanuel Kant.
Et il te fait ça en l'année 1775 ou 1777, même qu'en 2 années, ça yo, il te écrit un bagage sur la race, et mais c'est le mot français a, qui est les races, et ça a été utilisé, et c'est depuis le ça que le mot race a utilisé. Mais nous pouvons même arriver dans la période ça, parce que c'est l'autre semaine, si Dieu veut, que nous avons la période ça. Période ça veut dire c'est période côté mot race a commencé, et puis, ou commencez vous n'y avez une distinction qu'à utiliser plus entre des noirs et des blancs. Par exemple, dans le sud d'Haïti, le météo blanc, noir, etc. Et ce n'est pas que le mot ça a utilisé vraiment, mais après ça, puisque nous venons connaître comme blanc et noir, bien entendu, le historien a écrit longtemps après, et le ça a commencé à venir utiliser blanc, noir, etc. Ok? Et c'est le ça, ils ont commencé à utiliser mot ça. Bon, et pour nous continuer, nous venons gagner Kounia là. Nous continuons avec l'histoire parce que une bagaille qui est plus important. Songez bien, premier développement et ce domaine qui commence à faire avec Bertrand d'Ogeron qui était gouverneur et bien entendu a bien l'autre gouverneur qui a venu. Et ça nous commence à venir qu'on y a là. Nous commence à venir dernier gouverneur que nous devons attirer, Monsieur Ducasse. Ok? Monsieur Ducasse était venu un problème. Et problème que le devine gain c'est que on connaît sous M. Ducasse, c'est le ça qui est toute tête chargée avant que Devine fasse ça, le traité de paix de Ryswick. OK? Mais avant traité ça, t'es fait, M. Ducasse t'a fait en pile erreur avec M. de QC. Il a fait en pile erreur. Et une erreur que t'as fait, c'est que t'as pas attaqué Espagnol à Santo Domingo, il t'as pas attaqué Anglais en Jamaïque. Et puis, Anglais ont fini à craser et briser. Espagnols ont traversé, craser et briser. Et puis, jusqu'à ce qu'ils viennent faire la paix de Ryswick. Avec ça, l'heure où est que M. Ducasse, c'est problème de bail, roi Louis XIV vient décider de changer M. Ducasse. Et puis, il mettait un nouveau remplaçant qui est M. Auger. OK? Auger. M. Auger. Bon, l'heure où mettait M. Auger. Ils ont décidé que, ok, puisque nous avons perdu Kounia et puis commencé à sembler que les bagages ont changé, eh bien, on a changé tout le bagage net. Nous prenons Kounia séparer fonctions. Nous prenons séparer fonctions militaires de fonctions civiles. Parce que, bien entendu, on connaît même, dans quel que soit le pays que vous voyez, un domaine militaire, un domaine civil, et le plus souvent, militaires sont obligés à mettre tête en bas civil là. Pendant que le gouvernement civil, là, chef gouvernement civil, là, c'est lui-même qui commande en chef et tout militaire. Et c'est comme ça qu'il a toujours marché. Okay? Depuis le monde des mondes, il a toujours essayé de faire comme ça. Même le roi était tout bagarre lui-même. Par conséquent, le roi était chef militaire et puis il était chef civil et il était fait toutes les lois, tout bagarre net. Mais le vin retirer bagarre, il vient rentrer la démocratie, il fait le même genre à peu près. Il y a un exécutif, il y a un législatif, et puis il y a un judiciaire. Mais l'armée a, ok, toujours en bas, commandement de l'exécutif, du chef exécutif, qui est le président. Eh bien, on nous continue avec ça. En 1703, c'est là M. Auger vient remplacer M. de Ducasse. Et puis, avec les mêmes, vient un monsieur, certain M. Deslandes, qui vient nommer ça relais un commissaire ordonnateur. Le commissaire ordonnateur, c'est comme si on a dit un ministre de finances. C'est lui-même qui est occupé de toute finance, OK? Et c'est lui-même qui vient, a dit, administrateur civil qui est chargé pour occuper de toute bagaille qui est pour voir avec comme l'an et gouvernement. Gouverneur là lui-même, il a toute autorité militaire, etc. Mais seul bagage, il n'y a pas moyen l'argent. Et ça te vient faire que, par exemple, la division, ça que Wa vient faire, l'argent, il vient organiser pour bagaille au fait. Ça vient faire que gouverneur là, il est toujours obligé à marcher bien avec commissaire ordonnateur là, commissaire ordonnateur, de façon que il est capable de mettre ensemble pour faire dépenses bien. Parce qu'il y a un pile dépenses dans l'armée, un pile dépenses dans le militaire, mais en même temps, un pile dépenses dans le civil, en dedans. OK? Et le tout bagage marchait bien, colon était bien en forme. Le tout bagage marchait bien. Et M. Sayo était en pile puissance entre les deux. Hein?
Et le bagay yo pa mache bien, kolon yo menm ki an dan, ki an soumet an bayo, eh bien, kolon sa yo se la yo te kon jwen fason pou yo menm, pou yo rentre, et puis pou yo fonse de chanjman, parce que, à part de moun sa yo ke wwa yo te mette, ke wwa Louis XIV te mette, pa de gen moun ki te ka fè desisyon anko, la koloniyan, on moun ki kolon son cultivateur ou ye, ou juste son civil ou ete la, si ou pa, si ou rentre lan militaire ou venon soldat ou an ba direksyon, ou an ba otorite ou lot, men moun sa yo vreman, yo pat gen okun, pat gen eleksyon, pat gen anyen, fonksyon publik yo son seye de fonksyon publik ki distribuye par le gouverneur ou par le komiser ordonateur. Ok? Bon, se kon sa lte. Yon nan bagay ki veni rive, malouzman, e nan pale de l'anè 1703, ok, 1703, e fom ajoute ke moun sa yo, gouverneur ou bien komisyon ordonateur sa yo, yo te nome pou 3 an solman, ok, apre 3 an, yo remplace yo. So, an 1703, un peu nommé, en 1706, yo ta soupozi remplace, men malouzman, avan 1706 la preske rive, ok, en 1705, bon, gouverneur a mouri, M. Auger, et puis M. Deland, qui était commissaire ordonnateur là, il mourit tout. Il mourit quelques mois après. Ça vient de faire que Kounia est obligé de remplacer au plus bonheur que tu as supposé. Et c'est en même temps tout, où gagnent que gagnent des expéditions qui sont toujours faites. Et songez bien que Saint-Domingue, il était fait une sorte de point central. Pour la France, parce que toute l'autre colonie française, ils ont toujours regardé qui s'est fait à ce domaine. Ce domaine, c'était comme un quartier général. Même Jean l'altéré les Espagnols, il était quartier général de l'Espagne. Même Jean le Christophe Colomb, il était fait de Espagnols, quartier général. Espagnols, le Tékembe, quartier général, ça. Français, ils ont venu, ils ont le même genre. Parce que songez bien, l'île de la Tortue est une célèbre, c'est là que tu as les plus grands pirates, les plus célèbres pirates. Eh bien, bagala kembe même genre. Malgré que Guyampil, l'autre, et malgré que Guyampil, l'autre colonie française, mais c'est concentration la France, c'est sous ce domaine que l'il est. Eh bien, en parlant de ça, la France pas étant sur le côté, bien entendu, il a essayé de gagner des territoires, même genre à l'Espagne. Et Jean Tézola, malgré que c'est grand-papa avec petite-petite qui est roi de France et roi d'Espagne, ça va veut dire que les gens qui étaient habités la France et l'Espagne étaient amis. Eh bien, où est ça lorsque, par exemple, majorité de territoires que l'Espagne était pensée que l'était gagné, et mais France était commencé qu'on a colonisé. Côté ça et tout. Par exemple, on partit dans l'Amérique du Nord, qui était la Louisiane, ok, où il y a un explorateur qui est Pierre Lemoine d'Iberville. Bon, Pierre Lemoine d'Iberville, très important pour l'histoire française, c'est lui-même. Le monde qui était avant là, qui était découvert la Louisiane, lui-même. Loi a demandé là, le fond de travail spécial. Loi a dit comme ça, pour nous connaître qui gens pour nous contrôler la Louisiane, nous supposons connaître qui côté plus grand fleuve là, qui côté souslier. Et plus gros fleuve qui était là, c'était le Mississippi. Le Kounia là, monsieur allé, monsieur exploré pour la tête sous Mississippi, et c'est lui-même qui était joué. Mais le monsieur Joigny, monsieur pas de café plus que ça, il était grand frère que l'a quitté là, ok? Frère était le moine de Belleville, lui-même était le moine d'Iberville. Et puis, il quittait frère, et puis lui-même, il retournait parce qu'il était voué à explorer les îles du Vent qui étaient la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, etc. Il s'est voué à l'explorer là. Monsieur de travail pour le faire. Mais, vous connaissez, il faut le passer par Saint-Domingue. Eh bien, monsieur a passé par Saint-Domingue, la flotte qui était avec l'IA, toute bateau était avec l'IA, et puis il est allé en rade
nous te carrélé, ça relé le golf du cul de sac, c'est comme ça le relé, et port que te gagné, te relé port l'hôpital. Mais port l'hôpital là, c'est-à-dire, c'est ce qu'on connaît golf de la Gonave. Golf de la Gonave, c'est les mêmes, te relé le golf du cul de sac. Ok, c'est l'île de la Gonave. Et bien entendu, pour ça, et l'Interbalvin gon l'autre. Non, et non que l'Interbalvin gagne, hein, c'est que tu gagnes un navire qui était la flotte d'Iberville là, un navire ça, yo, qui était dirigé par un certain André. Ok, et un certain Monsieur André. Monsieur André qui était le capitaine du navire et qui était le plus, je t'ai dit, plus impressif, et puis qui était le prince, ok? Navire enterré le prince. Et puis lui-même, l'arrivée, la batte l'estomac, il dit, bon, ok, on va changer le nom de ce port. Il va changer le nom pour ça, il a appelé le port au prince, ok? Ça veut dire que le navire, le prince, c'est pour ça, c'est pour l'île Kounia. Eh bien, le navire, le prince Kounia, atterrit le port l'hôpital, et puis port l'hôpital, tout changé, il vient les ports au prince. Kounia, et ça passait en 1706. En 1706, et cela a été fait après que Pierre Lemoyne, le fin Joinville, Mississippi, il a créé une capitale pour la Louisiane. Capitale qu'il a créée pour la Louisiane, non, c'était Biloxi. Au monde qui a dans l'histoire Kounia, soit dans l'histoire des États-Unis, ou après que Biloxi, c'est capitale l'État de Mississippi. En pile bagaille passé dans Biloxi, Mississippi. Mais Biloxi, il n'est pas de capitale État de Mississippi. L'État de Mississippi n'était pas connu. C'est-à-dire, ça a été connu, le territoire de la Louisiane. Et le territoire de la Louisiane, non, était grand. Il était à peu près un tiers, on a dit, des États-Unis Kounia. Et territoire, ça, c'est les mêmes et que Biloxi était une capitale. Par conséquent, la même année que Biloxi créé, mais c'est même année ça, Port-au-Prince tout commencé. Mais Port-au-Prince, pas officiellement venir les Port-au-Prince. C'est juste que nom vient, il vient prendre nom à partir de 1706. Bien entendu, après il y a un pile bagage qui passait avant que le vienne Port-au-Prince. Il y a un bagage qui va passer, c'est que où vienne gagner Petit Gouave t'es fait avant. Et le Petit Gouave t'es fait. Petit Gouave, t'es gagné la dernière source de conseil supérieur qui était là pour juger moun, ok, qui a un problème. Mais le vin gade, Petit Gouave, t'es vin gagné un problème de malaria, ok, le paludissement. Et puis le vin wè gen problème ça, yo vin di, ah bon, yo pa ka quitter moun yo là pour malaria et ap décimé yo parce que t'es gagné une sorte d'épidémie de malaria là. Et puis yo di, yo déménager et tout et conseil là et puis elle mettait là Léogane. Le rivé Léogane, yo remarqué que Léogane de par sa géographie, OK, et sa topographie, c'est-à-dire les gens les situés dans l'île et les gens m'était dit et forme théâtre fait autour de lui, yo te voit que son côté au pas qu'à défendre très bien. OK, un côté qui plate la mer. C'est pas un côté pour ouais mon cap vini et puis qui pas une montagne qui sépare les bagages ça au lieu un peu trop plat et puis on te dit bon mais Léogane pas semble un bon côté pour le tailler et c'est ça fait on vient mettre Kounia Port-au-Prince comme c'est Kounia vient habiter et puis à partir de 1749 et Port-au-Prince vini la ville la plus importante de l'Ouest. Ça veut dire les supplanter Petit Gouave, les viennent supplanter Léogane, et puis les viennent tourner la ville la plus importante. Mais ce n'est qu'en 1770 que Port-au-Prince deviendra la capitale de Saint-Domingue, ok? Et puis il pourra remplacer Cap-Français comme la capitale en 1770. Mais en 1749, il est déjà venu la ville qui est plus importante. Et nous parlons ouais ça, nous parlons ouais toute bagarre de Port-au-Prince. Mais comme nous t'avons besoin de parler de lui, eh bien, Port-au-Prince, sous bien garder, il a commencé en 1706, il est officiellement reconnu en 1749, et puis il vient tourner la capitale en 1770. So, c'est trois dates ça pour capable de songer, 1706, 1749, 1770. Eh bien, nous, ouais, qui j'ai un Port-au-Prince, c'était fait.
Mais ce n'est pas tout, parce que songez bien, c'est 1706 que Port-au-Prince commence à faire là. Eh bien, pile bagaille commence à faire. Parce que Kouniala, on vient de gagner, faire nommer un gouverneur. Parce que songez, le dernier gouverneur a été nommé en 1703, et puis l'autre était mort. Ni gouverneur là, ni intendant, que était le commissaire ordonnateur, il était mort. Par conséquent, en 1707, il est obligé de nommer un autre gouverneur. Et son nom était Choiseul Beaupré. Eh bien, gouverneur, ça le vient faire. Bon, il vient de faire un bagage qui très important. Parce que, songez bien, il y a un problème qui devient guerre à Saint-Domingue. Et c'est ça fait l'important pour que nous connaissions l'histoire là très bien. Parce que, l'on a parlé de qui Jean Saint-Domingue te fait venir la première colonie française, comme elle te fait venir la plus riche de toute colonie française, il faut comprendre qui côté elle sortit. Parce que Saint-Domingue, son territoire, il n'y a pas de contrôler. Pour qui ça? À cause des flibustiers qui étaient célèbres et qui vivaient non seulement dans l'île de la Tortue, mais ils vivent tout à Port-de-Paix et dans la grande, ça relève dans la grande île, c'est-à-dire qui est partie l'ouest de l'île d'Haïti. OK? Flibustiers, il y a un gros problème que nous avons parlé de lui avant, c'est que flibustiers, il n'y a pas voulu stabiliser, ok? Yo pas voulu settle down en anglais. Yo pas voulu rester un seul côté. Et pour un côté développer bien, faut un monde qui stabilise. Songez bien, il y avait des cultivateurs, il y avait les boucaniers, c'était des flibustiers qui prennent retraite, et puis l'autre monde qui était venu, en général, monde qui t'a fait commerce vient, c'était les boucaniers, mais il y avait aussi des cultivateurs, monde qui t'a cultivé. Là qu'on y a la France vient gain contrôle il là par le traité de Ryswick. Il y a besoin de faire développement et puis ça monsieur de ça monsieur Beaupré fait comme gouverneur, il dit un bien faut faire un bagage avec flibustier yo. OK. Ça le fait, il dit un bien il peut prendre yo, il va faire guerre. Ben flibustier c'est pirate. Mais il a essayé retirer la piraterie. Parce que avant ça, songez bien, et c'est ça pour essayer de comprendre. Avant ça, pirates, yo te kon gagnen, de ka di, laisser passer le gouvernement, yo, puis yo fait ça, puis yo fait. Le gouvernement, yo commence, ouais, fait, yo besoin d'établir, puis yo besoin de développer colonie, yo vin, ouais, ah bon, si yo continue kembe piraterie, eh bien, yo pral gen problème. Le, yo commence, besoin de développer, eh bien, leur passer à battre ou qui chargé. Ou pral conseiller de pirate qui pral retour le ça même si c'est à dire c'est pas pirate port qui pral faire mais pirate notre nation pral faire par conséquent il était venu une sorte de traité tout pour éliminer la piraterie mais il est pas facile pour faire moun ça changer côté yotayé et c'est ça que fait ou pral ouais ou pral utiliser une série de tactiques mais première tactique qui a été utilisée c'est dans l'année 1704 côté yoté invité côté yo t'ai invité un groupe de religieux pour yo rentrer. Yo t'ai relé les jésuites. OK? Jésuites ça yo pas réussi fait ça pour yo faire malgré yo t'ai gagné un peu l'influence, mais yo pas gagné assez influence pour changer flibustier. So kounia ou gagné en 1707 ou gagné que kounia monsieur Beaupré, il pral fond bagaille qui vraiment vraiment différent. OK? Mais qui ça le pral faire? Monsieur Beaupré li prend moun sa yo et puis li dit eh bien puisque c'est la guerre qui aurait mais eh bien nan la guerre eh bien ça le fait li monte bateau avec yo li quitte l'autre monde et puis la lan bataille mais pendant la lan bataille là li blessé lan bataille gravement mais li pas mouri et puis ça yo fait yo rentrer la Havane en Cuba avec lui et puis c'est là li vive jusqu'à ce que li vienne mourir en 1711 li mourir 4 ans plus tard mais bien entendu, au connaît faire remplacer chaque 3 ans. Par conséquent, en 1710, de 1710, on l'autre monde était remplacé et c'était et monsieur de Gabaret. OK, monsieur de Gabaret était remplacé. Mais monsieur de Gabaret pas été longtemps tôt, il vient mourir et puis en 1712, on gagne monsieur Charles de Blenac qui vient remplacer monsieur de Gabaret. Et tout ça c'est en ce domaine passé, songez bien. Et puis c'est à partir de monsieur Charles Leblanc
que bagay ki le flibusteria, ok, le flibustier, ou pa jwen ni ankor. E pou ki sa? Parce que au songe, le te ale lan guerre avec, ensemble avec Monsieur Beaupré, eh bien, te gen batay, an pil batay, an pil la de te moui. Le yo vin wè sa, eh bien, yo vin, an pil la de yo retourne en France, et puis, yal retire yo la, autrement dit, yo pren retraite yo la, et puis, gen un peu la de yo ki retourne, yo vin pren retraite yo, a se domen, et c'est à partir de là qu'on y a Monsieur de Blenac, Livin dit, bon, ok, eh bien, nous éliminer bagaille flibustier, ça net. Bien entendu, il n'y a pas besoin d'éliminer le net, il y a toujours des pirates, il n'y a pas les têtes flibustier encore, mais il devine éliminer bagaille les flibustiers. Puisque il devine éliminer bagaille les flibustiers, bien entendu, Kounia, eh bien, il pourrait régir l'île de la Tortue avec Saint-Domingue en l'autre champ. Et c'est ça que fait, Wa Kounia, Livin baille Monsieur de Blenac en l'autre titre. Que le gouverneur général de la Tortue et de ses domaines. Kounia, c'est monsieur qui a régi tout bagage ça. Pas gagné, il a quitté la main et pirate ou bien volé encore. Et il a dit qu'il a mis l'ordre l'un des autres. Eh bien, c'est comme ça. Et tout bagage ça a commencé à faire. Bon, et au fin gagné de l'année, monsieur Blenac tellement fait un bon job. Il a essayé de renouveler. OK? Il a essayé de renouveler. Mais, monsieur, vin gon problème qui vient arriver. En 1716, tu as une série de cacao, pieds de cacao. C'est la donne, c'est le domaine qui t'a fait comme. Et parce que, bien entendu, vous connaissez Flibustier, vous commencez pas là encore. Vin commencez à gagner une sorte de prospérité. Et songez bien ça, m'd'abdio. L'été prend titan pour Saint-Domingue, vin côté pour l'hier, parce que t'aimes ou bien. Pendant que n'a parlé de Saint-Domingue comme ça, en Martinique, ok, cacao a planté, en pile bagay a planté, indigo, coton, et canne à sucre a fait cob. Cuba, canne à sucre a fait en pile cob. M'de dit la Martinique et la Guadeloupe tout, en pile cob a fait la plante. Et la Louisiane, aux États-Unis, c'est là où était, vous connaissez à cause du climat, il n'y a pas qu'à faire tout le bagay, mais c'est là où était qu'on a fait manger. Et puis il a fait comme la manger parce qu'il a cherché l'or, mais pas grand pile l'or dans la période ça, parce qu'il n'y a pas qu'à jouer côté l'or, il est tout bon. Bon, nous venons de voir que c'est cultivation, ok, la terre, l'agriculture, qui a bâillé comme. Pendant ce temps, c'est le même pour développer l'ancien ça du tout. Mais cacao a bâillé comme. Ok? Parce que si vous savez bien, vous savez que le tabac là, il y a en Virginie, etc. Bon, tout le bagage ça vient faire que le bagage est un peu calmé. Mais c'est le domaine qui a fait comme le cacao. Et puis en 1716, ok, il a fait comme de 1712 à 1716. En 1716, il y a un bagage tragique qui est arrivé côté pied cacao, il a commencé à mourir. Personne ne compte pour qui ça. Et bien, là, c'est arrivé, et bien, monsieur de Blenac, mon cher, il prend un bel coup parce que Monsieur de Blenac vient réaliser que, eh bien, il est comme échoué. OK? Il est comme échoué. Par conséquent, il va retirer la position qu'il a de gouverneur d'Haïti. Et puis, il va le faire en l'autre bagaille. Et puis, cacao, bagaille ça, son bagaille qui pape et jamais retourné encore. OK? Jusqu'à l'année. Décadie 1736, ça veut dire 20 ans plus tard, après que Pied Cacao ait péri dans Saint-Domingue. Bon, de toute façon, nous venons voir que vous pouvez le remplacer, vous pouvez le remplacer Monsieur de Blenac, bien entendu, par un monsieur qui vient de Châteaumorant. Châteaumorant. Eh bien, le vient remplacer Monsieur Blenac. Et par Châteaumorant. Châteaumorant vient commencer qu'on y a à établir un système de taxes, d'impôts. Et il établit parce que y a un pile de bagages qui continue à faire. Il continue à faire tabac. Et puis l'autre bagage, tant qu'on indigo, etc. etc. Mais tout, pendant que ça t'est venu fait là, songez bien, il était séparé de gouvernement, ça. Il était séparé. Par exemple, gouvernement militaire yo, de gouvernement civil là. Et ça te vient passer, yon nan bagay yo te vient faire, yo te vient changer nom
commissaire ordonnateur là qui était responsable pour finance kounia yo vinn mette une sorte de intendant intendant monsieur yo relè intendant de justice intendant de police et intendant des finances. Ça veut dire non seulement il fait finance là, mais il fait justice, il fait police. Et pour qui ça? Parce que yo vinn remarquer que avec une série de flibustiers qui étaient comme sous l'armée, qui étaient fait des ordres sous l'armée, kounia monsieur Sayo yo vinn settle down, ça veut dire qu'ils viennent stabiliser et puis ils viennent tourner des cultivateurs. Ça va veut dire que M. Sayo a perdu 100 chaud que tu as gagné et viré tourner, il y a un problème en dans colonie. Viré tourner, monsieur, a un problème. Par conséquent, il n'y a pas juste besoin seulement militaires qui pour sous-bateau ou bien qui pour des soldats, il y a besoin en police tout. Ok? Et c'est ça que fait, il viennent créer une sorte de force de police et en dans. Et puis, force de police, ça, c'est intendant qui t'a dirigé. Intendant, t'es venu comme si on sous-gouverneur. Okay? C'est comme si tu avais un président et puis un vice-président. C'est comme ça que l'été eh bien, c'est ça qui t'a passé, Kounia, là, dans les années 1719. Et dans les années 1717 à 1719. Songez bien, en 1716, c'est le ça qui a remplacé. Et songez bien que c'est 3 ans, le gouverneur a toujours fait. Par conséquent, en 1719, il voit l'autre monde, il voit un certain marquis de Sorel qui vient remplacer Château-Moran. Et, ouais, tu me sens que c'est une ville qui est Château-Moran en Haïti, mais je ne vais pas vérifier ça. Si on me connaît, ou a écrit dans les commentaires pour moi. Et parce que moi, je m'entendais à parler d'une ville qui est Château-Moran en Haïti, je ne sais pas qui t'a fait recherche ça. Mais Château-Moran, c'était un gouverneur que l'idée. Marquis de Sorel vient remplacer Château-Moran. Et puis, lui-même, il continue à faire un bon travail, d'après ça, il dit. Mais seul problème que l'idée gagne, c'est que on vient commencer à venir en pile des ordres qu'a fait. OK? Vient en pile des ordres qu'a fait. Parce que Temzou qui sont des ordres qui ont commencé à faire. Ou vin, te gen yon kompanyi ki te rele la kompanyi des Indes Occidentales. Se Louis XIV ki te kreye la. E lè Louis XIV te kreye la, kompanyi an se di te gen monopoli, se a dire tout moun paye taks, e pi tout bagay vin chè a koz de yo. Yo te vin fè fayit de les anè 1670 yo. Lè vin fè fayit, koun ya tout moun kontan, paske koun ya yo pa paye taks, yo fè sa yo fè. Men malouzman, lè kompanyi sa vin remonte sou pi ankor, li vin pi mal ke lde avan. Et l'ensemble qu'ils ont vu plus mal là, c'est que commencé qu'on y a vendre assurance, qui sorte de assurance. Ils ont demandé un série de planteurs et pour planteurs et bail cobio et puis il y a bail planteurs 2 fois plus et de cobla de façon que le Monsanto n'a pas qu'à travailler encore et puis il a besoin de retraiter. Il va le retraiter en France avec 2 fois plus de richesse que le gain et en pile là-dedans il a fait en pile cob. Par conséquent, cob ça leur investit en dans assurance et de la Compagnie des Indes Occidentales, yo pensaient qu'ils étaient en sécurité, mais la Compagnie des Indes Occidentales, les fait coquer avec eux, et puis on leur, yo paraît, te dit, ah, mon cher, nous t'es passé de cabot 2 fois plus, mais seul bagaille, tout investissement que vous avez fait, nous perdu. Bon, ou qu'on est, on sait de monde qui perdu bien, yo pas prêté comme ça, parce que yo pral oublier, yo travaille encore pour refaire fortune, yo. Eh bien, compagnie ça, il était gain il était gain quartier général li dans Saint-Domingue. Eh bien, c'est ça oublié, yo pas fait, yo crasé compagnie, yo était boulé place ça et cetera. Et yo était même continué de dire au pral arrêter gouverneur là avec intendant si yo pas font bagay pour yo. Eh bien, effectivement le roi attendait ça, roi voyait dépêcher en sorte de expédition le voyait et Kounia sa yo fè, yo di, bien, an nou fon akor, et puis yo rassemble avec moun yo pat kontan, et puis yo pran moun yo mette ansam, et puis l'autre moun ki te la, yo di, bien, ya fon akor kote yap d'akor pou yo stoppe sa yo fè, pou yo pa fè l'ankor, ok, de façon pou koloni an pa kontinu agite, et puis pou nou perdu plus ke nou genyen, et mè sol bagay, nous pas voulu compagnie ça sous nous encore et nous besoin faire commerce libre et puis effectivement c'est ça qui vient passer compagnie yo cessé et privilège yo te gagné yo et puis qu'on y a à partir de là c'est domaine qu'on y a commencé marché de prospérité en prospérité. OK,
Mais il faut nous parler de une bagaille qui a commencé à faire prospérité de ce domaine. Et pour cela, permettre que moi arrive en 1714, moi retourne en 1714 pour me parler de une bagaille qui a commencé à faire prospérité de ce domaine, lorsque, par exemple, les compagnies n'ont pas existé encore. Parce qu'à partir de 1724, les compagnies n'ont pas existé encore. Mais à partir de 1726, pour aller gagner un produit qui peut rentrer en ce domaine, qui est Haïti. Ok, nous avons eu le Saint-Domingue parce que c'était, songez bien, Saint-Domingue, c'est donc que français, ou t'es bail parti, l'ouest là. Ok? Qui peut retourner à Haïti pour nous. Ok? Bon, bagaille que nous pouvons parler de l'Ikounia là, c'est un produit qui n'a pas de gain à Haïti avant. Et produit ça, c'est le café. Ou quoi les gens, café haïtien sont bagaille que mon remet en pile. On belle tasse café, on vend ça son bagaille en haïtien, vraiment en pile. Nous sommes grand, moins le nous a pleuvé. L'idée pour le faire café deux fois dans la journée. L'idée pour le faire le matin et puis l'idée pour le faire l'après-midi. Le matin, il fait deux cafés. Ils font café pour lui, qui est bien fort, et puis ils font café pour tout le reste monde, qui est moins fort. Nous aimons café, nous aimons haïtien. Right? Nous-mêmes, il y a un proverbe qui dit on sait de petits monde qui semble figure qui a crié pour café à pain. Comment café à pain? Eh bien, il y a une parole. Pas de café en Haïti dans l'époque indienne. Dans l'époque Taino. Pas de café tout le espagnol est là. Café sont produits qui sont en Éthiopie. Et d'après ça, il dit les Éthiopiens, ils ont découvert, les Éthiopiens qui sont aussi des Kushites, et ça veut dire des descendants de Cam dans la Bible, Éthiopiens ont découvert café dans l'année à peu près 1000 ans après la naissance de Jésus-Christ. Le ils ont découvert, ils ont découvert un Arabe qui vient voler la main. L'homme dit voler, un Arabe qui vient voir que il y a un corps qui fait la donne. Éthiopien ou connaît nous-mêmes pour une raison ou pour une autre nous-mêmes nous allons nous gomba à la main nous c'est l'autre monde qui veut valeur gain là et bien arabe prend et puis arabe commence à faire cob le arabe commence à faire cob ou vient gagner une série de turcs la Turquie commence à et répandre dans le monde pour venir en puissance mondiale et bien il vient gagner arabe parce que arabe avec turc il était venu presque venu même. Eh bien, yo vin pran monopoli café à la meyo. Les Turcs yo vin gen monopoli café a. Kounia c'est eux même qui a fait combat à travers le monde avec café était bien cher. Kounia ça vient passer ou gen la Hollande ben fon fond bagay à ça. La Hollande kounia là commencé prendre café a et puis les commencé mettre dans une série de colonies que te gagnent dans les îles sous le vent, autrement dit, qui côté te gagne la Polynésie, la zone qui te gagne pas loin la Chine, yo te gagne quelques colonies qui étaient là, quelques îles. Eh bien, moun sa yo, ça a été fait, yo te esclavagisé moun sa yo, te fait rendre yo esclave, et puis yo planté café à là, et puis yo prend café à gogo pour grand merci parce que c'est esclave yo gagne. Eh bien, café a venon monopoly tout pour la Hollande. La Hollande commençait à vendre café à travers le monde. Kounia pour ka kounia étendre business yo, OK, mettez l'on plus grande dimension. Ou vinn gen maire de Amsterdam, non? Amsterdam c'est la capitale de Hollande. Le kounia maire Amsterdam nan li dit bon nous pral fon bagay ki pi bon encore nous pral faire publicité à l'époque ça ou connaît pa gen réclame ki pral fait ou on prend et pa gen YouTube pa gen WhatsApp etc. Eh bien ça le fait li voyer deux plantes café fait cadeau lui c'est Louis XIV qui était roi de France le voyer deux plantes yo eh bien roi te gen on sarele en sorte de maison en sorte de sarele
On sort de maison côté au planter bagaille à l'intérieur. OK? Pas contre traduction vraiment, mais en anglais, il y a le greenhouse. OK? On sort de maison verte. Mais maison verte, ça, c'est-à-dire son bagaille côté où on met des plantes en dedans. OK? Et on met des plantes en dedans, puis on grandit. Eh bien, là, on met des plantes en dedans, puis on grandit. Quel que soit le climat ou gain, hein? Si le climat est trop frais, OK? Si il y a neige dehors, plante là va pas grandir si plante là habituée pousser parce que son plante qui t'est sorti songez bien en Éthiopie. Eh bien l'œil ouais ça, il dit bon eh bien on va laisser pour voir si plante là grandit et puis plante là grandit, il commence à faire et puis on prend un grain de café, on fait plusieurs autres petits plants pour multiplier. Et puis c'est comme ça tout, tu as un capitaine de l'armée française qui t'est relé monsieur capitaine Gabriel Mathieu Desclieux. Le capitaine Mathieu Desclieux vient rentrer Kounia là et il vient font vacances en France de Martinique. Il dit, oh, bagay ça a levé là, eh bien, est-ce que vous êtes capable de permettre moi pour mon plante dans sa gen là yo, et puis me rentrer en Martinique avec lui pour moi qui j'en la fête en Martinique. Effectivement, ça passait dans les années 1714 que vous êtes joué une plante là. En pile l'année vient passer, et puis c'est dans les années 1720 que monsieur et le capitaine Desclieux vient décider, mais vient porter plante ça, la Martinique. Eh bien, dans l'année 1723, plante a commencé tellement prend, mes amis, Martinique vient charger café. Le kounia là, yo, écoutez, côté planté là. Plante l'a levé vite, il poussait vite, et puis la fan pile café. Eh bien, il dit, eh bien, il faut aller sur Saint-Domingue. OK? Parce que songez bien, Saint-Domingue, que nous sommes à Haïti, OK? À travers l'indépendance, c'est là, quartier général, la France est. Par conséquent, toute bagaille, il y a l'autre côté, il y a gardé pour essayer de faire la Saint-Domingue tout. Et songez, pour qui ça n'a pas de café l'avant, il n'y a pas de café l'avant parce que flibustier, il a refusé de stabiliser, puisque il n'y a pas de flibustier, et puis tout le monde a essayé de faire un bagaille, eh bien, il y a là, il dit, eh bien, nous planter. Et puis, on vient mettre café. Mes amis, café prend en Haïti tant qu'on ne connaît pas. Et puis, c'est comme ça. L'on multiplie, multiplie, multiplie café. Eh bien, Saint-Domingue vient un producteur de café qui est plus important pour la métropole française. Mais à partir de Saint-Domingue, qu'on y a, Français ont distribué café à l'autre côté. Par conséquent, songez plus pour qui j'ai un café à distribuer. Café a sorti en Éthiopie. Arabio pran, Turkio pran nan men Arabio, Hollande yo vole l nan men Turkio, Hollande yo partaje l avèk la France voye l an Martinique, epi de Martinique, yo vin transporte l an Haiti de les anè 1723. So si yon mande yo, ki le kafe vreman rentre an Haiti, bwa, nte ka di, se ant l anè 1723 e l anè 1726. Ok? 1723 et 1726. C'est le ça, café vient en Haïti. Et puis, café en Haïti, tellement bon. Café a vient un café qui est plus important. Et puis, c'est comme ça, Saint-Domingue vient un producteur mondial de café. Je dis à même café ça, c'est le même tout que nous continuons à joindre ce territoire noir. OK? Eh bien, c'est histoire café ça que nous gagnons de Haïti. Mais ça va veut dire que toute bagarre est finie là, parce que songez bien, il y a PC, ouais, si vous mettez plus bagarre. Eh bien, l'autre bagarre que vous commencez à venir faire, vous commencez à venir entrer là, canne à sucre. Eh bien, rentrer la canne à sucre, vient dire que, eh bien, faut mettre plus esclaves. Eh bien, plus esclaves que vous mettez là. OK? La plus esclaves que vous venez à mettre, ça veut dire que, qu'on y a la société a commencé à changer. Eh bien, qui j'en société a commencé à changer. Eh bien, la partie espagnole là, que yo te vin commencer l'audience espagnole. La partie espagnole là, où te gagné les espagnols purs. Ok, c'est comme ça que te les espagnols purs. Et puis, où te gagné les créoles blancs. Créoles blancs, yo, c'est un série de blancs espagnols qui te fait. Ok, la colonie. Ça, les Espagnols puis c'est eux-mêmes qui étaient sortis en Espagne et puis ils viennent dans la colonie. Mais créoles, c'est eux-mêmes, ils sont ces deux blancs qui étaient faits là. Et puis, tu as les métis. Les métis, c'est européen, c'est-à-dire espagnol européen, qui étaient mélangés
avec et reste indien qui Taino qui était là toujours, ok? Reste indien qui était toujours dans la partie espagnole là. Ils étaient venus commencer qu'on y a fait petit entre eux-mêmes. Ils étaient continués, songez bien, depuis les années 1600, ils étaient commencés. Eh bien, nous, les années 1700, ils continuaient à faire. Et ils étaient les Mounsaou, les Métis. En plus de Métis, ils étaient gagnés mulattes. Mulattes, c'était en union de Européens avec Noirs esclaves qui étaient là. Songez bien, ils étaient esclaves espagnols là avant. Esclaves africains dans la partie espagnole. Des esclaves africains. Dans la partie l'est de l'île Espagnola, côté nous est le Santo Domingo aujourd'hui, côté nous est la République Dominicaine aujourd'hui, t'es déjà gain moun sa yo là, c'est-à-dire les Européens et puis les Noirs t'es là, leur vin fait petit ensemble, yo est les mulat, et puis yo t'es gain race, pas race non, yo t'es gain un groupe que les groupes des nègres, c'est-à-dire des nègres venus d'Afrique, ok, des Africains. So, tu me répéter quatre groupes ça, les Espagnols purs, cinq groupes, les Espagnols purs, les Créoles, les Métis, les Mulâtres, et puis les Nègres, ou bien les Africains. Eh bien, la colonie française, là, tu as seulement trois groupes, ok? Tu as trois groupes seulement, tu as les colons, ok? Les colons qui étaient des blancs français. OK? Et puis, il y avait les gens de couleur. Les gens de couleur étaient les affranchis. OK? Affranchis, ça veut dire moun ki libre. C'est ça, relé, on affranchi. On affranchi, ça veut dire moun yo vin rendre libre. OK? Et puis, il y avait les esclaves. Les esclaves étaient noirs et certains yo étaient mulâtres. OK? Et puis, il y avait une religion catholique là qui était là. Et c'est les mêmes que yo étaient essayé de faire tout le monde adopter, y compris les esclaves. Mais il y a une bagarre que yo étaient venus remarquer. Yo étaient venus remarquer. Dans la partie espagnole et dans la partie française, tu as quelques métis qui partent en pile dans la partie française. Mais, Gélard, c'est la partie espagnole qui vient voyer métis ça dans la partie française. Mais, tu as remarqué, tu as des métis plus, plus importance que mulat. Parce que métis, là, songez bien, c'est indien qui est mélangé avec blanc qui fait. Mulat, là, c'est noir qui est mélangé avec un blanc qui fait. Il devine ouais que semblait que il était bien métissio plus importance et c'est de là tout que préjugé commençait à venir qu'on y a la colonie. Mais songez bien que préjugé ça a commencé d'abord dans la partie pas dans la partie dans Saint-Domingue. OK? Et tu m'expliques pour qui ça en plus parce que tu as gagné tellement qu'on y a esclaves qui viennent de l'Afrique, eh bien, plus il y a esclaves qui viennent, c'est plus ils ne pas respecter Africains. C'est plus ils ne pas respecter les gens qui paraissent bien peau foncée. Tu m'expliques pour qui ça? Tu as un groupe blanc qui était venu à l'époque du 17e siècle. Tu es allé les engager. Engager, ça a sensé le groupe blanc qui était fait être esclave, qui était vendu avec les gens qui ont voyagé. Et ils étaient engagés pour 36 mois, ça veut dire 3 ans. Et ça fait les engagés. Ils étaient engagés. Mais après 3 ans finis, ils sont libres. Tandis que l'esclave noir, là, après 3 ans, il travaille pour mettre, il n'est pas libre. Eh bien, leur était engagé, que son blanc qui est esclave, que son noir, ils étaient traités au même genre. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence entre noir et blanc de pour esclave. Mais le blanc a commencé à venir libre. Trois ans, il a fini couler et puis il a venu libre. Quand il a commencé à qui est plus esclave, c'est ou bien un esclave qui est noir ou bien une qui est mulâtre qui est sans mélanger. Et bien, à partir de là, il a commencé à venir comme si que l'Africain, il y a les plus bas que le ratio. OK? Les plus bas que le ratio parce que c'est comme s'il est accepté. Ça a gagné. Mais c'est pas vrai, il n'est pas accepté, parce que si nous songez bien, il y a une première insurrection que nous avons gagnée dans les années 1670, qui était les Padres Jean. Nous avons parlé de 2 semaines de ça. OK? Padres Jean, qui était un esclave, qui était révolté. Eh bien, je dis, nous allons parler d'un autre esclave qui pourrait révolter. Et esclave, ça, c'est un esclave que nous parlons de lui en pile dans l'histoire.
Et, mais je dis à Mbel, bon, on tire histoire sur lui, parce que nous, elle a presque fini là, mais on a une bonne histoire sur lui. Eh bien, esclave, ça, c'était un esclave qui était le Macandal. OK? Macandal était esclave dans les années 1700, 1700. OK? Eh bien, qui est Macandal? Macandal, c'est prisonnier que tu fait là, côté de sortie en Afrique là. Mais quand il sortit en Afrique là, monsieur semblait être d'origine musulmane. OK, son musulman monsieur était et semblait être en l'île, était en écrit etc. Et puis le monsieur vini kounya là, il transporté la Saint-Domingue et puis il vienne vendre les sous on a il vienne vendre à un propriétaire et qui était en habitation qui était le Normand de Mézy qui était dans la province de Limbé qui était là côté Limbé. Ça veut dire dans le nord. Eh bien ça passait, monsieur, on l'a pendant monsieur à Moulin Cannes, c'est l'étape dirigée Moulin, etc. Eh bien, même monsieur prend la Moulin. Le même monsieur prend la Moulin, il perd du main, hein? Il perd du en main. Le perd du en main, il n'a pas qu'à faire travail, il a fait encore. Et puis, mettre l'icône là, vient mettre monsieur à surveiller bête. Mais monsieur, malgré que Mel était coupé, monsieur son œil qui était un beau type, ok? Bel petit garçon, etc. Bel jeune garçon. Et puis, monsieur. TMF fille en pile et fille au TML tout. Et bien, ça devait passer. Tu as un bel petit esclave noir et monsieur était venu remettre. Dame dans TML tout. Mais esclave là, vient entendre que monsieur était avec petite dame. Mais esclave a son blanc. Le maître esclave attendait ça. Et bien, monsieur commençait à maltraité Macandal. Lorsqu'il commençait à maltraiter Macandal, eh bien, dans l'année 1740, Macandal sauvé. Lorsqu'il vient sauver Kouniala, il vient faire partie d'un groupe esclave qui t'a sauvé, qui était les Mahons. Vous entendez, vous dites, le monde Mahon, vous mettez dehors. Eh bien, vous étiez les Mahons. Vous étiez commencé un bagage qui est le marronnage. Eh bien, marronnage, là, c'est une forme de résistance que vous avez. Côté, yo prend trop mauvais soin, puisque yo pas qu'à révolter, eh bien, yo marron. Eh bien, monsieur, t'es tellement bien marron que, mon cher, yo fait 18 ans avant yo prend monsieur. 18 ans, monsieur l'a caché. Mais tout là, monsieur l'a caché, monsieur pas inactif. Ça passait, monsieur, malgré le musulman, il devient suspect que, peuple, il y a un peu superstitieux. Lorsqu'il voit quelques peuples un peu superstitieux, monsieur a commencé à foncer de potions, comme s'il préparait une série de remèdes composés. Okay? Et puis, remèdes composés, ça y est, il fait le bain, et puis il a fait magie sur eux, etc. Il dit, c'est grand sorcier que lié. Bon, il commence à prendre Kounia pour un ougan. Et il y a une bagaille qui fait que tu respecter le commandement grand tout, monsieur te a montré que ces produits, le gain, un produit, c'est-à-dire, potion ça, c'est peut-être même potion ça qui fait que monsieur a bien fille comme ça. Il te a pris pile fille, l'en main et monsieur, ok? Bien entendu, le monsieur commence à faire ça en pile, en pile, là, monsieur Eslavio, qui était commencé pas content, hein, monsieur. Et c'est une raison peut-être que monsieur Padjam qui a réuni assez pour monsieur te faire un gros révolte. Par conséquent, monsieur était été à. Monsieur était à l'affût, il était toujours dans les montagnes, l'a caché. Mais pendant que monsieur a caché, monsieur était capable de dire, monsieur, l'a fait résistance pas derrière. Et puis il dit, oh, eh bien, m'a vendu nous ça, m'a vendu nous ça. Et pour, c'est pas quitter, mettre nous gain, bagage sur nos pères, moi-même, quitter ça. Eh bien, les distribuer, il était capable de vendre une potion qui gagne poison là-dedans. Et puis poison ça, pour monsieur, alba et mettre blanc, yo. OK? Pour alba et mettre blanc, yo. Et puis pour permettre que mettre blanc, yo. A diminué. Il a commencé à voir qu'un pile blanc commençait à mourir et puis il a commencé à suivre ça. Finalement, qui Jean, il a pris le bras, monsieur. Eh bien, semblait qu'il y ait deux monsieur, monsieur était volé madame. Yo. Eh bien, il n'est pas content. Eh bien, il dit, monsieur, mais il a livré le bail blanc. Eh bien, c'est comme ça, monsieur, il était venu livrer le bail blanc. Deux monsieur, il a pris le monsieur. Et puis, blanc, prend. Et puis, là, il a pris le monsieur, il a mené le cap. Yo mette un tribunal là, yo juge monsieur, et puis là, yo juge monsieur, yo condamné monsieur à périr
brûler vif. OK? Eh bien, ça va faire trop longtemps que en l'année 1758, OK, c'est en janvier, 20 janvier 1758, ils ont marié monsieur en poteau, ils ont enchaîné le poteau parce qu'ils n'ont pas mis de code, vous connaissez. C'est boulet à boulet, monsieur, vous connaissez, ils ont mis de code, code la boulet. Ils ont enchaîné monsieur dans le poteau. Mais le poteau a fait dans le bois. Et puis ils ont mis du feu tellement boulet. Mais le poteau a tout, les boulets. Et puis le poteau a tombé. Et puis le poteau a tombé, monsieur disparaît dans le mi-temps du feu. Hein? Et puis esclave, il a regardé, il a dit, hé, mes amis, Macadal sauvé. Il a dit, Macadal sauvé. Qu'on y a là, en pile là, il a couru, il a couru y aller. Il dit, Macadal disparaît. Et puis, au diable, les glaces, il a tombé dans du feu. Et puis, tout colle, caca, nénette. Mais il dit, Macandal sauvé. Depuis le ça, il a kembé, monsieur. Oh, parce que monsieur t'a fait un pile monde peur. Faut nous dire ça. Monsieur t'a fait un pile monde peur. Et je crois, malgré l'histoire, pas de précision sur ça, mais nous pensons que peut-être c'est peur ça que mon t'a gagné de monsieur. Et appréhension ça a été gagné de lui à cause de Madame Moon que qu'on prend. Qui vient faire que monsieur pas de gain. Assez de popularité pour le rassembler. Assez de monde. Il était rassemblé monde, mais il pas rassemblé assez pour le faire en insurrection. Eh bien, c'est comme ça, monsieur mourir dans du feu. Hein? Et puis, depuis le Sahel Kembe, que l'esprit Macandal toujours là. Et vous avez droit que le monde qui fait vote aujourd'hui, il a toujours parlé de l'esprit Macandal. Eh bien, c'est ça qui fait parler de lui. Mais c'est une légende que ça y est. Ce n'est pas vérité, monsieur était bien mouru dans du feu. Hein? Eh bien, n'après été là, c'est tout ça que nous t'ayons pour. Nous pas fait plus que ça parce que nous gagnons tellement de bagages, nous pourrions parler au de l'an deuxième, pour deuxième moitié 18e siècle là. Parce que ça, nous arrivons la première moitié du 18e siècle. Et ça, nous pourrions voir, c'est que nous finissons avec Macandal qui est mort le 20 janvier 1758, à peu près, décadie moitié du 18e siècle. Pendant ce temps, moun qui pral vraiment, décadie, occupé de l'indépendance, moun sa yo, gen la de, pou ko même fait. Ok? Yo pou ko même né. Eh bien, semaine prochaine, si Dieu veut, nous pral garder deuxième partie, ça, ok? Deuxième moitié du 18e siècle, côté nous pral explorer qui gens colonies a continué à fonctionner et puis qui gens monde ça qui pral vinn ancêtre nous yo esclave ça yo côté yo sorti et qui gens yo vinn intégrer la société française là et qui ça t'a passé autour qui fait que nous considérer que c'est bon Dieu qui t'a agi. Et bien je dis à pour nous clôturer à nous garder bien qui ça t'a passé. Songez bien que c'est bon Dieu qui bâille nation, c'est bon Dieu qui bâille terre nation, c'est bon Dieu qui bâille dimension nation, c'est lui-même qui bâille frontière. Bon Dieu qui est en bâille frontière là, pendant que pour que même monde qui parle héritier nation, pour que même là, ok? Et pour qui ça n'a pas parlé comme ça? Parce que quelqu'un doit dire bon français c'est mettre ses domaines, ok? C'est où tu mets ses domaines? Avant français, où tu gagnais les Espagnols et mettez d'où? Songez bien ça nous jour. Français qui là c'est vrai, mais il y a une nation déjà qui est la France. Espagnol yo vraiment qui sous côté yo, qui était là avant yo. Il y a une nation déjà qui est l'Espagne. Et même les Hollandais qui t'a essayé prendre, il y a une nation qui est la Hollande. Les Anglais tout qui t'a essayé, il y a une nation qui est l'Angleterre. Toute nation ça yo qui a essayé venir prendre terre. Songez bien, il y a déjà une nation yo appartenu à eux même déjà. Cela veut dire que terre ça qui est l'Haïti, seul monde qui était, décadé, seul peuple qui était légitime là-dedans, c'était les Taïno. Puisque Taïno est éliminé, eh bien, il faut que l'autre groupe qui vienne Kounia, vienne prendre comme nation. Ou est-ce que Jean-Baptiste a préparé pour Kounia, groupe esclave ça, qui pourrait tourner Kounia, il pourrait venir prendre nation haïtienne, non? Et il y a balle, même nom que Indien, il y a un nom, même nom que Taïno. T'es balia, c'est non ça, c'est non ça, y'a pas le bali tout. Et c'est comme ça nous connaît que bon Dieu, c'est lui-même qui t'a marché pas à pas
pour le bail moun sa, parce que nous connaissons que le bon Dieu a bail, c'est lui même qui bail nation, c'est lui même qui bail qui moun qui parle la nation, c'est lui même qui bail qui la nation a commencé. Cela veut dire que ce n'est pas une coïncidence que le noyau arrivé nous vient faire la Sanwele et la révolution, ok, la révolution vient faire pour aboutir à l'indépendance. Nous voyons même moins que révolution qui vient aboutir à l'indépendance, c'est de façon très drôle, ok. Et en attendant, songez bien, nous te gagnons pas de gens déjà qui font insurrection. Nous gagnons Kounia là, Macandal qui font sorte de insurrection. Nous pourrions gagner Bookmando qui peut faire insurrection. Mais tout ça, révolution pour commencer. Eh bien, je vous dis à ma quitter ou à continuer à checker histoire par et pour vérifier le compte histoire que nous bavons. En attendant, nous connaissons que c'est bon Dieu qui est en charge et nous pourrions montrer que Jean bon Dieu continue en charge la prochaine fois que nous rencontrons. Si pas de monde, il y a quelques minutes qui étaient et si il y a monde qui t'a vraiment posé question, on prend quelques minutes ça pour questions posées. Autrement, nous on peut aller. Amen, amen, amen. Ok, Farman et Nachelle, au présent. Nous pouvons regarder si y a quelqu'un qui pas de questions, qui a des questions à répondre. Si pas y a quelqu'un qui a des questions tout, eh bien, on peut finir avec ça nous vient là, qu'on y a là, et puis on peut où la prochaine fois. Si y a une question, on met poser le qu'on y a. Ligne ouverte. Ok, nous avons quelques bruits dans le téléphone. Par conséquent, si vous ne posez pas de questions, vous devez mettre le sous mute de façon que pas de monde qui connaît ce qui a passé. Ok. Eh bien, nous voyons que pas de monde qui a besoin de poser des questions. Par exemple, qui est en live là tout, qui a posé des questions, eh bien, nous pourrions le fermer Kounia là, en nous prier. Seigneur, nous vous remercions encore de ce que vous êtes intervenu une fois de plus. Nous vous remercions pour l'histoire, ça, que vous-même vous avez dirigé et que vous permettez que nous sommes capables de vivre côté nous vivre. Hein. Je dis à nous que il y a un peu de monde qui est en confusion, Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, ou à éclaircir confusion, ça, pour vous. Pour montrer que c'est vous-même, Seigneur, qui t'a dirigé pas à pas, côté pour arriver, je veux dire. Et nous, ouais, Seigneur, ça fait avec terre d'Haïti, ça. Côté où t'es prani, et côté qui gens où t'es prêt à le permettre que en cette nuit, capable d'arriver sur lui. N'a demandé au Seigneur, continue de diriger nous pour nous histoire ça, l'argent même ou fait là, l'argent même ou écrit là. Pour c'est pas nous-mêmes qui avons inventé rien, mais que c'est fait, on a bail. Pour mon kawé exactement qui j'en même ou agit, qui j'en même ou travaille. Et ça permet, Seigneur, que nous sommes capables de comprendre qui sera fait aujourd'hui avec nation ça. Parce que tellement il y a confusion, nous avons un pile leader, Seigneur, qui paraît mais qui agit comme si il paraît mais Haïti, qui agit comme si il n'a pas besoin de bâtir une nation, qui pas comprendre que c'est vous-même qui bâtissez une nation. Et Seigneur, nous demandons, rangez cœur ou bien mettez-vous de côté. Pour nous-mêmes, ça pour faire là, pour le faire. Parce que nous connaissons que ces nations ont sauvé. Ou dit par le monde de toute nation qui apparaît, Seigneur, devant trop nous. Seigneur, nous disons merci encore de ce que vous avez vu nous, pour nous capables de connaître qui gens pour nous comporter nous comme nation. Et nous demandons que vidéo ça, qui a fait là, là, que le monde qui a regardé là, capable imbu de qui gens vous le comporter comme haïtien. Que le monde qui a regardé là, capable d'apprendre en bagage, Seigneur. Et pour le bon gloire, honneur et louange que vous-même seul méritez pour ce fait de lui. Et que Seigneur nous retire nous l'ignorance que nous gagnons, de façon Seigneur pour connaissance ça, capable de retirer nous l'état de souffrance que nous avons, parce qu'on dit mon peuple périt faute de connaissance. Eh bien, que connaissance ça, Seigneur, empêche que nous périssions. Nous prions pour ça au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est tout ce que nous avons gagné pour vous. J'espère que vous êtes capable de brancher encore la prochaine fois. Et avec vous, c'était Ronald Steffel. Eh bien,
Jusqu'à la prochaine. Que mon Dieu bénisse. À bon dame.